Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on va regarder qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les Gatestones. Pourquoi ils ont explosé. Donc apparemment je viens de voir une info que... Je pense que c'est un gag, que Pfizer veut les reconstruire. Je pense que c'est un gag, mais bon. Ça serait drôle, hein, entre nous. Voilà, donc... J'ai pris le grand Teteya à tes souhaits et à mon petit garçon qui est en train d'éternuer depuis tout à l'heure. Donc on va voir ce que nous dit le grand Teteya. Je l'ai fait péter parce qu'il parle beaucoup. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au Gatestone. Pourquoi, qui a fait péter ça et pourquoi ça a été fait, hein? Alors, pourquoi le Gatestone a fait boum? Ah, c'est lié avec le passé. Vous voyez, le passé, ok? Ensuite, pourquoi donc, lié avec le passé, pourquoi? Ouh, ça vole doucement. Donc là, on nous parle de solitude, là, de décès, de célibat. Donc, on nous parle de passé, de célibat et de faim, de mort et de solitude. Donc, la personne qui a fait ça était seule, mais c'est pour la mort. Le décès pour leur dire que c'est fini. Ce qu'ils ont fait par le passé, seul aussi, on peut dire que ce qu'ils ont fait seul par le passé, c'est mort, c'est fini. Ils vont être seuls maintenant. Ok, bon, on va compléter le passé. On va compléter le passé. Se repentir. Donc on nous dit qu'il faut qu'ils se repentissent. Ah bah alors, je pense que ça va pas être pour tout le monde, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il y en a qui retournent leur veste en ce moment. Puis il y a plein de pays où ça pète aussi en ce moment. Plein de pays qui veulent plus de leur truc. Mais bon, on verra les autres médiumités. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le célibat? Ils ont fait des contrats agreements. Alors, 2 secondes, je reviens. J'ai oublié mes pierres. Donc, et ma pine de pain. Donc, en gros, oui, c'était un contrat. Il y avait des commandements dessus. Hein. Donc, 500 millions et pas plus. Ben moi apparemment ça parlait, c'est, je vous invite à aller chercher le guide de ça. Hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la mort? Il y a 2 cartes qui sont entrées. Alors c'est bizarre parce que c'est exactement les cartes que j'ai sorties dans ma dernière médiumité j'ai fait une short, voilà. Donc, la mort des secrets dans les country, propriétés, donc dans les biens ruraux. Mais je pense que c'est dans tous les pays, on peut nous dire. C'est fini tout ça. C'est la vérité, à la fin de la mort, c'est la mort pour eux. La mort des secrets. Ok, mais dis donc, ils parlent super bien. Ensuite... qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la solitude d'autres pour les Gatestones? Ah ben oui, ben à force de mentir, on nous parle d'une fille sincère, ouais. Mais
c'est la solitude par rapport au mensonge. Et on nous parle de fille sincère. Il y a peut-être quelqu'un qui va balancer de vraies choses par rapport à ça. Ok. Est-ce que... Donc, est-ce que ça a été fait pour le bien, tout ça? Oui, ça a été fait pour le bien. Mais ça les embarrasse. Vous voyez? Embarras. Ils sont embarrassés de ça. Ça les gêne. Mais quoi d'autre? Je pense que je m'arrêterai là. Ah oui, c'est une perte pour eux. Ben oui, forcément. Ici? D'accord, ils sont dans les pourparlers, ils sont dans les négociations. Chez eux. Et pourquoi ils sont chez eux à domicile? C'est bizarre. Bon, je vais demander, je vais utiliser l'oracle de Murmure de Ganesh. Et on va voir ce qu'on peut nous murmurer. Une oreille. Qu'est-ce qu'on peut nous murmurer une oreille? Pour des choses finales, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les Gaystones? Qu'est-ce qu'on peut nous murmurer? Allez, hop. Ouh. Ouh, on nous murmure la réussite. Ouh, allez, une petite dernière là, hein, parce que c'est le bouquet final. Hein. La réussite de l'harmonie. De la ténacité que j'avais sorti dans un jeu précédent et de la protection. Donc, protection dit protection divine. Ben, je m'arrêterai là pour l'instant parce que c'est suffisant pour ma part. Bisous, 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 bisous à tous. Ciao, ciao.